Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Je dis bonjour à tous nos super branchés de la radio-télévision d'Espoir. Oui, en ce moment, je vous salue, mes chers amis, et je vous dis bienvenue, oui, bienvenue dans l'émission Santé du corps et de l'esprit. Aujourd'hui encore, nous sommes vraiment, vraiment contentes de vous retrouver, chers auditeurs, auditrices, et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et nous comptons pour que nous capables de commencer une nouvelle semaine côté que nous pourrons faire de nouvelles expériences avec notre bien-aimé Père Céleste. Donc, mes chers frères et sœurs, nous pourrons commencer, mais juste avant, comme d'habitude, nous pourrons réclamer la présence du Saint-Esprit avec nous pendant une heure de temps ça que nous pourrons passer ensemble là, pour que bon Dieu capable d'assister nous. Nous pourrons prier, mais avant tout, on nous chante petit chanois, le numéro 515 de nos hymnes et louanges. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux,
À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence, de maintenant et au siècle des siècles. Nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité envers ton peuple. Oui, Seigneur, nous toutes qui, dans le moment ça, branché, dans l'émission ça, Seigneur, dans ces petits taux et dans ces objets, l'amour. Nous disons merci parce qu'on est avec nous, parce qu'on prend soin de nous. Et en ce moment, quand que nous allons parler, Seigneur, de ces conseils sur la nutrition et les aliments que ou même ou t'es écrit qui t'es pour ton peuple, pour t'es capable d'enseigner nous, instruire nous et montrer nous tous les jours comment nous supposons vivre pour que nous soyons capables d'être en harmonie avec ta volonté, en obéissant à tes saintes lois. Nous demandons ton prix, fais-nous grâce, assiste-nous, bénis-nous, remplis-nous, Seigneur, avec Saint-Esprit, pour que tout ça que nous va faire là va faire selon volonté, tout ça qui va dire va faire va guider par ton esprit. Oui papa, et nous va glorifier toutes nous va sortir édifiés et nous va glorifier nous, et non seulement nous va prendre ça que nous pour apprendre pour que nous capable pratiquer yo, et nous va enseigner aussi à l'autre monde que nous va rencontrer sur route nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour le pardon de nos péchés en Jésus notre bien-aimé sauveur. Nous t'en prions. Lui qui vit, qui règne, qui demeure dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, moi content pour que moi capable retrouver nous encore pour que nous capable continuer avec Tico Zenon sur la nutrition et les aliments. La semaine dernière, nous sommes arrivés dans un sous-titre ça qui dit les buts des révélations sur la réforme sanitaire. Donc, je vous rappelle, mes chers amis, que nous avons un livre conseil sur la nutrition et les aliments et que nous sommes toujours dans le chapitre 1er qui gagne pour titre raison d'être d'une réforme. OK, et dans sous-titre ça qui dit les buts des révélations sur la réforme sanitaire là, nous avons plusieurs paragraphes et nous sommes arrivés dans paragraphe 24.3. Nous allons continuer pour que nous capable voir qui ça Seigneur et eh bien livre que moi-même avec vous nous connaît. Quiconque tient à conserver sa santé doit être tempérant en toutes choses. Tempérant dans le travail, tempérant dans le manger et dans le boire. Notre Père Céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour nous préserver des maux engendrés par un appétit dépravé, afin que ceux qui aspirent à la pureté et à la sainteté sache user avec discernement de tous les biens qu'il leur destine et que la pratique de la tempérance dans la vie quotidienne leur assure la sanctification par la vérité. Amen. Oh, c'est un très bel paragraphe que nous sommes là, mes chers amis, et qui est capable de permettre que nous comprenions encore une fois que notre Père Céleste, tout ça qu'il fait, c'est pour le bien de ses enfants. C'est ça que fait, il dit non que nous supposons tempérants en toutes choses. Pas tempérants dans un domaine, et puis dans l'autre domaine, nous livrer libre cours, nous faire tout ça, nous voulons, je nous voulons, le nous voulons, nous pas respecter aucune règle, nous agir comme bon nous semble, et bien finalement, nous pourrons payer conséquences. Non, ça capable briver que dans le manger et le boire, ou c'est un monde qui est vraiment tempérant. Et pourtant, dans le domaine du travail, ou abuser tête ou payer conséquences quand même. Et ça va pas briver aussi dans le domaine du travail. Tu es quelqu'un de très, très, très tempérant. Mais quand il s'agit de te reposer, par exemple, le, ou pas dans, sur le lieu de travail, ou pas dans le moment de travail, ou tu as un petit moment de loisir quelconque, ou pas d'accord pour reposer l'esprit, ou... Donc, et même dans le domaine aller dormir très tard, bien-aimés frères et sœurs, en pile, nous coupables. Parfois, tout le temps, il n'est pas 11h, il n'est pas 11h30, il n'est pas minuit,
Nous, pape, mes têtes, nous, dans la cabane pour nous dormir. Nous, toujours, il y a des petites choses à faire, à arranger pour demain, etc., qui nous empêchent d'aller au lit. Et les consa, nous payons toujours conséquences parce que nous intempérons dans le repos, dans le sommeil. Je continue. Ne perdons jamais de vue que le but essentiel de la réforme sanitaire est d'assurer un développement maximum à l'esprit, à l'âme et au corps. Toutes les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, ont été données pour servir à notre bien. Leurs pratiques nous procurent le bonheur sans cette vie, excusez-moi, dans cette vie et nous préparent à la vie à venir. Je reprends cette phrase. Leurs pratiques nous procurent le bonheur dans cette vie et nous prépare à la vie à venir. Nous sommes des citoyens bien-aimés, chers frères et sœurs, non pas, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de notre monde. Ok? Donc le Seigneur nous prépare pour que nous soyons capables de vivre avec lui dans la cité céleste. Et donc il nous prépare pour le nouveau monde. Donc c'est à faire grosse série d'habitudes. Faut que nous divorcer avec eux. Faut que nous commencer divorcer avec eux dès ici-bas. Et non seulement nous serons heureux sur la terre, bien que nous tendions dire que bonheur sur terre, mais pour ceux qui vivent en harmonie avec la volonté du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tentations, des épreuves, etc. Mais tu seras quelqu'un, tu auras un peu de bonheur dans ton cœur. Tu auras le bonheur que Seigneur lui-même lui mettait dans le cœur. Petite lion, la paix que seulement présence lui capable porter, la paix que lui bail à monde qui respectait et honorait commandement lui, eh bien, tu l'auras. Ok, nous allons entrer dans un autre sous-titre, chers amis, qui dit importance des principes de santé. Importance des principes de santé. Il m'a été montré que les principes qui nous ont dirigés au début du message sont aussi importants et méritent d'être considérés aussi consciencieusement qu'à ce moment-là. Il en est qui n'ont jamais suivi la lumière qui nous a été donnée sur la question alimentaire. C'est le moment aujourd'hui de sortir celle-ci de dessus le boisseau afin qu'elle se montre dans tout son éclat. Les principes qui sont à la base d'une vie saine ont une grande importance pour nous en tant qu'individus et en tant que peuple. Oui, nous-mêmes, peuple adventiste du septième jour. Eh bien, cette question de réforme est vraiment une importance totale, capitale pour nous-mêmes, non seulement en tant qu'individus, mais en tant que peuple. Donc, la servante du Seigneur nous conseille de sortir. Oui, de sortir cette histoire d'alimentation, eh bien, pour nous retirer elle de dessous le boisseau, pour que nous soyons capables de faire paraître avec son éclat le plus vif, parce que nous t'es enterré là, nous t'es fouillé en trou, nous mettons les. Okay? La réforme sanitaire, dès qu'on parle de réforme sanitaire, eh bien, il y a un petit bougonnet. Je me rappelle un jour dans une église où j'étais, et que pasteur hein, t'es venu avec cette histoire pour dire tout le monde, ah ben, je me rappelle que c'était le 1er janvier, et que pasteur a dit, bon, voilà, pendant cette nouvelle année qui est entrée là, viande, pas entrer l'église là encore. Donc certes, nous connaissons dans repas, les sabbats, et on pas présenté viande. Mais nous avons peut-être viande, ok, bien enveloppé dans petit bol, et qu'elle est prête à manger tout le monde. Ça alors ça qui mange viande, entre guillemets, aura allé petit viande, yo mettez dehors. Donc le pasteur dit ça, moi-même, j'étais témoin. Eh bien, tu as un pile petit bougonnet, tu as un pile petit bouche marée, on dit ça, pasteur, ça a dit là, est-ce que les cas empêchent le monde de manger petit affaire? Yo. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous t'ai enterré cette histoire de réforme sanitaire. Donc, c'était pour notre bien. Et au fur et à mesure que nous avons avancé avec cette émission, eh bien, vous aurez à découvrir combien que nous faisons du tort à l'organisme, les nous consommer une série de bagailles et une série de l'autre que nous négligeons, que nous pas consommer, qui tape de fait nous du bien en pile et pourtant nous mettez au sous-côté. Nous continuons.
Il dit, aujourd'hui, nous sommes tous mis à l'épreuve. Tous. Nous avons été baptisés en Christ. Si nous voulons éviter tout ce qui tend à nous affaiblir et à nous rendre impropres à notre tâche, nous recevrons la force nécessaire pour croître en Christ, notre chef, et nous verrons le salut de Dieu. Voilà. Si nous voulons vraiment, si nous voulons, bon Dieu mettez-nous à l'épreuve. Il dit ça, c'est nous tous. C'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. Bon Dieu, passez nous tous. Il mettez-nous à l'épreuve ça. Il dit, si nous nous baptisons en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous dites nous sommes chrétiens, nous sommes disciples du Christ, nous suivons, nous voulons obéir, le faire volontairement. Mais si nous voulons éviter tout ça qui est capable de nous affaiblir, rendre nous vraiment faibles pour que nous ne soyons pas capables de bataille. Et vous vous rappelez le combat de David et de Goliath, mes chers frères et sœurs. Eh bien, Saül te prend toute armure, il te mettait sous Goliath, et sous David, excusez-moi. Et mais David, qui sent-il mal à l'aise, il n'a pas qu'à lever bouclier, il n'a pas habitué avec, lance notre poule, il n'a pas rapporté, le casque l'a déjà dépassé tête, il n'a pas senti à l'aise. Pour David, s'il allait avec armure, Saül déjà perdu bataille, là, parce que même pied, il n'a pas qu'à lever, il n'a pas à l'aise avec eux. C'est comme si nous avons dit, au mieux, ça a eu lieu, tout ça, le bail David, il a affaibli David pour combat parce qu'il n'est pas capable avec lui. Eh bien, qui ça, David, te dit dans ça, il non, mon Seigneur, vous mettez Kembe, yo, moi pas capable de battre avec bagay sa yo. David mette li à l'aise par la foi, avec la foi en son Dieu. Li prend 5 tiwash, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, li te prend ça qui est capable de rendre fort pour le combat. Donc, c'est même gentil. Sinon, besoin détacher nous de tout ça qui est capable de rendre que combat spirituel nous pas capable de remporter li, qui est capable de nous très faible pour ce combat, eh bien, nous avons confié nous à Seigneur. Nous avons confié nous dans lui, dans bon Dieu, et nous allons recevoir la force nécessaire pour que nous soyons capables de grandir en Jésus-Christ, notre chef, et nous allons voir le salut de Dieu. Nous allons arriver à voir le salut de Dieu. Il dit que ce n'est que lorsque nous considérerons d'une manière intelligente les principes d'une vie sainte que nous pourrons bien discerner les maux qui résultent d'un régime erroné. Ceux qui, après avoir constaté leurs erreurs, auront le courage de changer leurs habitudes, s'apercevront que la réforme exige beaucoup de lutte et de persévérance. Mais lorsqu'ils auront formé des goûts normaux, ils se rendront compte que l'usage de la viande qu'ils considéraient inoffensif préparait lentement mais sûrement la dyspepsie et d'autres maladies. Donc, mes chers frères et sœurs, nous prenons une petite pause. Nous revenons après la pause et nous allons continuer. Ouais, qui ça est bien façon que n'a mangé bien ou mal comme le cas et soit arrangé ou bien dérangé santé non. À tout à l'heure. Bénédiction pour monde qui lit livre ça. Bénédiction pour tout monde qui écouter parole message ça qui sorti dans bon Dieu. Pour tout monde qui obéit tout ça qui écrit dans livre ça parce que pas arrêter longtemps encore pour bagay ça arriver. Ou ta remen kon de ki livre m'a parlé ou. Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans le matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans le matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio Télévision d'Espoir pour tendre paroles qui baillent la vie. Avec Zami Pao et Denis Saint-Victor, dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. La radio-télé Vision d'Espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus tous les mardis et jeudis de 10h à 11h AM, mercredi 1h-2h PM, vendredi 10h-11h AM avec Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière,
comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Vous suivez Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Chers auditeurs, nous allons continuer avec ce titre qui dit « Au premier rang des réformateurs ». Au premier rang des réformateurs. Les adventistes du septième jour possèdent des vérités de la plus haute importance. Il y a plus de 40 ans que le Seigneur nous a communiqué des lumières particulières sur la réforme sanitaire. Qu'en faisons-nous? Ils sont nombreux ceux qui ont refusé de suivre les instructions que le Seigneur nous a données. En tant qu'adventistes, efforçons-nous de réaliser des progrès proportionnés à la lumière reçue. Il est de notre devoir de comprendre et de respecter les principes de la réforme sanitaire. En ce qui concerne la tempérance, nous devrions être en avance sur tous les autres. Cependant, il y a parmi nous des membres d'Église qui ont été bien instruits à cet égard, et même des prédicateurs qui manquent de respect pour la lumière que le Seigneur nous a donnée. Ils mangent selon leur goût et font ce qui leur plaît. Sous-titre est bien dit, au premier rang des réformateurs. Chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, il y a une chose que je veux partager avec vous, que moi pensais que nous tous nous peut-être au courant de ça déjà. Ça fait longtemps que moi regarder sur YouTube, gagne une quantité de youtubeurs qui a fait des vidéos de leur façon de manger, donc qui ça y manger, qui ça y boire dans une journée, dans une semaine, etc. En plus là-dedans, yo chers amis, yo pas gagné pour avec Adventiste du 7e jour. Ce sont des moines, yo c'est des vegan. Vegan, yo c'est des des végétaliens. C'est pas végétarien non, végétalien. Parce que végétarien hein, capable pas consommer viande, il pas consommer ces deux bagailles, il doit pas consommer viande, il pas consommer poisson, mais végétarien hein, il consomme œufs, il prend lait. Li prend beurre, li prend aussi le bagage qui sorti non, animaux. Et c'est comme ça tout gagner qui juste pas manger viande mais qui prend poisson. Mes chers frères et sœurs, il y a un monde qui sont végétaliens, c'est un monde qui pas prend rien du tout qui sorti dans animaux. Tout ça que li apprend, c'est à base de plantes uniquement. Et bien il y a une variété, une quantité de monde comme ça dans le monde. Qui, c'est comme tu as dit, le monde, ça a pris devant nous, il a retourné en Éden avant nous. Oui, nous avons saisi tant de ça, il a retourné en Éden avant nous. Avant nous, même Adventiste du 7e jour, qui gagnait tous ces conseils, qui gagnait toute cette lumière. Il n'a pas mangé rien qui sortit dans les animaux, le monde, ça a consommé uniquement graines, céréales, légumes. C'est de ça, les noix, les céréales, les graines, les légumes, c'est de ça qu'on nourrit uniquement de plantes. Pendant que nos frères et sœurs d'Adventistes du 7e jour qui gagnaient cette lumière, qui gagnaient, nommer nous, cette réforme sanitaire que bon Dieu lui-même lui prend le soin pour le confier, pour le banon, pour l'instruire, pour l'expliquer, nous, mais pour qui raison les banon lui, nous faire rebelles, nous ne pouvons pas accepter, nous pas voulu d'accord, nous préférons faire passer du temps à discuter, dit que pas manger viande, pas qu'à faire au monde, pas aller dans le ciel, etc. Vous comprenez que c'est nous-mêmes qui t'a supposé en premier rang, qui t'a supposé devant, et pourtant, mais le monde devant, c'est nous, non? Histoire, réforme sanitaire, là. Nous capables de compter sous douette, nous, nos bien-aimés frères et sœurs qui acceptent, obéissent à cette question.
Donc, chers amis, nous appelons le paragraphe qui dit que nos professeurs et les hommes qui dirigent notre œuvre se placent résolument sur le terrain biblique en ce qui concerne la réforme sanitaire. Qu'ils rendent un bon témoignage devant ceux qui croient que nous sommes parvenus au dernier jour de l'histoire du monde. Une distinction très nette doit être faite entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous supposons faire différence, non? Nous supposons paraître clair, ok? Différence, non? Supposé paraître clair. La différence entre ceux qui servent Dieu et surtout qui prêchent le message du troisième ange et qui dit aux autres que Jésus qui pourra le retourner, puis le mettre l'autre dans la vie, puis le préparer pour ce que Macbeth l'arrive sur eux. Ou même qui gagne poussé pour prêcher un tel message, eh bien, songez que aussi supposé différent en toutes choses. En toutes choses. Donc, nous prenons une petite pause là, bien aimé, frères et sœurs, pour que nous soyons capables de continuer avec. Et nous prenons un petit coup de pied dans le jardin Seigneur pour que nous capables de voir dans la pharmacie bon Dieu qui ça la présente aujourd'hui comme médicament. Nous prenons parler aujourd'hui de betterave rouge. Betterave rouge. Si nous avons une petite question pour me dire qui est-ce qui parle de betterave. Donc c'est rare que nous jouons un monde qui dit yo pas aimer manger betterave. Donc c'est sûr capable jeune monde qui dit yo pas aimer jus betterave mais quand même qui manger la majorité de la population yo aimer betterave. La couleur rouge sang des betteraves égaye les plats de salade et de pommes de terre qu'elle accompagne à merveille. La betterave contiendrait-elle vraiment du sang? Parce que, chers amis, nous, m'absentons, j'ai peut-être si mon petit, et mon content de gagner un monde qui a parlé, qui dit que betterave baille sang. C'est-à-dire, si un monde anémie, ou mange betterave, ou bien ou boit jus betterave, la baille sang. Est-ce que vous avez dit ça par rapport à la couleur, hein? Ou du moins, c'était une connaissance que vous avez gagné sur ça? On va voir. C'est ce que pourrait penser ceux qui, quelques heures après avoir consommé de la betterave, ont des urines ou des selles rouges. Cette peur, cependant, il ne s'agit pas de sang, mais d'un pigment particulier de cette plante dénommée bétanique. Bétanique, parce que betterave blanc, les sorties de la famille des Chenopodiacées. OK, plante herbacée de la famille des Chenopodiacées. Donc c'est un bagaille qui vraiment comme tu as dit ça. Et y attirant par rapport à couleur hein? Et pour nous-mêmes qui remet salade russe, qui remet préparer salade russe avec betterave, eh bien nous connaît que les nous mettait les dans salade nous libaille en belle couleur. Et mélanger avec mayonnaise, les baillons couleur rose qui est vraiment belle dans la salade russe. Mais je vais, tout à l'heure, je vais parler de notre recette parce que en parlant de mayonnaise, nous pas surtout de mayonnaise qui est vendue sur le marché, qui est préparée et qui c'est des, comment tu as dit ça, des, qui c'est pareil, qui bon, qui conservé et qui fait du temps dans le bocal, qui n'est pas trop sanitaire, donc nous ne pas utiliser. Et nous connaissons que nous pile en pile dans nous, qui n'est pas végétarien, mais qui est végétalien, qui n'est pas consommé du tout, rien qui sortit dans les animaux. Donc nous avons différentes façons de préparer une salade russe pour qu'elle soit vraiment bonne et délicieuse. Donc tout à l'heure, nous parlons de ça. Donc nous devons parler ou de betterave aujourd'hui, hein? OK, qui vraiment c'est un aliment pour le sang. Et betterave là c'est anti-anémique lié vraiment, OK? Ils sont anti-anémiques ou même qui anémie, qui a un petit problème sang, eh bien, on capable faire bons amis avec betterave. Et dans la composition betterave là, nous joignent que il y a une proportion bien élevée d'hydrate de carbone, OK? Il y a un pile sucre là-dedans et
li gen pil suk la dani, e yo di nou betrav rouge lan, se yon legume li ye tou, e li tre riche an sucre ki surpasse unikman, dizon unikman pa un autre de se variété, la betrave sucrière. Ok? Li se yo anti-anémique, et on nous dit que l'action anti-anémique de la betterave rouge est bien connue et a été décrite par le docteur Schneider, entre autres. Ok? Donc, c'est-à-dire, sous anémie, pas hésiter à consommer de la betterave rouge. Donc, chers amis, nous pourrons parler où en ce moment comment on capable préparer et employer betterave là. Normalement, nous connaît que gien moun ki remet consommer du jus frais. Donc, il est capable faire du jus frais ou capable faire li, faire du jus frais, OK, ou capable prendre betterave là, ou capable passer li non douceur, c'est-à-dire sans pas besoin mélanger li avec de l'eau ou faire li non douceur qui a peut extrait juin ba ou sans li pas mélanger avec de l'eau. On nous conseille pour nous capable prendre li comme ça parce que li pi bon. OK? Et si ou pas gagne li en bien douceur, ou capable mettre li dans blender, ou mettre un peu d'eau, eh bien ou fait du jus de la betterave, ou du moins si ou gagne un bon grage ou grager betterave là pour que ou capable gagne du jus. Deuxième façon que ou capable utiliser li encore, ou capable râper carotte là ou assaisonner li avec un petit huile d'olive et puis ou mettre un petit citron sous li et puis ou manger li cru. Donc sincèrement pourquoi essayer façon ça, donc juste imaginer comment tu es capable bien. Autre façon, nous capable bouillir betterave là, tant que nous qu'on habitué faire li dans cuisine nous, la cuisine haïtienne, nous bouillir betterave là, nous couper li en rond et nous mettre li à côté de carottes bouillies coupées en rond même genre et puis nous juste mettre un petit sel sous li etc. et puis nous consommer li comme ça. Donc mes chers frères et sœurs, tout à l'heure, moi abtonner pour que moi capable expliquer nous yon remède que nous capable faire avec betterave parce que nous disons pas oublier que tout ça bon Dieu créé pour que non seulement on a mangé yo bon en bouche, yo vraiment bon, yo délicieux et yo là pour yo capable nourrir nous, mais c'est aussi des médicaments. Donc on va prendre encore une autre pause, on revient tout à l'heure. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée « Santé et bien-être ». Dans l'émission « Santé et bien-être », nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel.
L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. De retour après la pause, chers auditeurs, auditrices, je vous rappelle que vous suivez l'émission Santé du corps et de l'esprit. Qui est-ce qui peut carrément vivre en santé? Rappelez-vous, c'est un trésor. Oui, la santé est un trésor. Donc, je vais lire pour vous, mes bien-aimés, avant de continuer, dans Proverbes chapitre 17, verset 5. Nous allons prendre un petit conseil avant de nous continuer. Qui se moque d'un pauvre insulte Dieu qui l'a fait. Qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. Voilà, c'est un conseil ça que nous t'apprenons pendant la journée. Hein, qui dit, qui se moque d'un pauvre insulte Dieu qui l'a fait. Qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. Ni, n'a fait une petite parenthèse là. Donc, chers amis, nous allons continuer, nous allons aller dans paragraphe 27.1. M'a rappelé nous que nous tenons sous-titre ça qui dit au premier rang des réformateurs. Ceux qui attendent la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, vont-ils se trouver inférieurs aux fanatiques du moment qui ne croient pas au proche retour de notre Sauveur? Le peuple particulier que Dieu lui-même avait purifié en vue de l'enlever au ciel, sans le faire passer par la mort, ne doit pas se laisser dépasser par d'autres dans la pratique des bonnes œuvres. Dans son zèle à se purifier de toute souillure du corps et de l'esprit, recherchant la sainteté dans la crainte de Dieu, il doit précéder n'importe quelle classe de la société dans la mesure où sa profession de foi est mieux vécue que ne l'est celle des autres. Oh, wow! Quelle déclaration, mon Dieu! Quelle déclaration! Oh, chers amis, nous toutes qui attendons dans le moment ça, qui a suivi l'émission, oh, tous nos fidèles auditeurs de Radio Vision d'Espoir, nous toutes nous attendons le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous connaissons que retour ça est imminent. Nous connaissons que Jésus va retourner très très bientôt. Nous nous préparons pour ce retour. Chaque jour, nous demandons à bon Dieu pour qu'il est capable de nous prêts pour ce retour. Mais il y a une question que bon Dieu voulait nous répondre aujourd'hui. Hein. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, hein, les ambassadeurs du Christ qui a propagé le message du troisième ange, le message des trois anges, principalement du troisième ange, vont-ils se trouver inférieurs aux fanatiques du moment qui ne croient pas au proche retour de notre Sauveur? À moi, à toi, à nous toutes, question ça, les poser, je dis, hein. Est-ce que nous allons trouver nous inférieurs devant tout fanatique ça qui a tourné nous en dérision, qui a passé nous en bêtise, qui trouvait que nous trop pressés, nous c'est des alarmistes, qui a vainement propagé, ou du moins annoncé le retour imminent de Jésus. Et pourtant, il est mieux préparé pour, malgré que il y a pas même quoi dans le retour de Jésus, il y a vécu mieux que nous-mêmes, ou, hein, sinon inférieur, c'est-à-dire il vit mieux que nous.
Mais la servante du Seigneur nous dit sous l'inspiration du Saint-Esprit que le peuple particulier que Dieu lui-même veut purifier, nous-mêmes en tant que peuple de Dieu, qu'il veut purifier en vue pour qu'il est capable d'enlever nous au ciel sans que nous pas même passer par la mort. Combien de nous qui t'avons aimé fait partie des 144 000? Genano qui dit, bon, ok, si je ne suis pas capable, Seigneur, pas quitter me river, mettre me coucher, mettre me dormir. Mais malheureusement, je dois te dire que ce n'est pas ou même qui a choisi de dire, Seigneur, mettre dormir. C'est Seigneur qui connaît qui monde l'a mettre dormir et qui monde qu'elle pas mettre dormir. Nous pas capable de demander ça. Parce que dans sa sagesse infinie, c'est lui-même qui connaît si oui ou non l'a mettre dormir qui n'a pas fait partie de 144 000. Mais pour nous tous qui vivons aujourd'hui, hein, qui a préparé nous en vue de cet événement, eh bien, nous tous, nous avons supposé dépasser le reste du monde dans tout domaine. Non seulement réforme sanitaire, dans la vie que nous avons menée tous les jours, dans la pratique que nous avons faite, dans ce qui concerne respecter les commandements de Dieu, etc. Nous avons continué à relire partie ça encore. Il dit le peuple particulier que Dieu lui-même veut purifier en vue de l'enlever au ciel sans le faire passer par la mort ne doit pas se laisser dépasser par d'autres dans la pratique des bonnes œuvres. Tant que moi, je t'ai expliqué nous tout à l'heure, oui, cher auditeur, que nous-mêmes, si nous voulons, nous sommes capables d'aller faire un petit coup de pied sur YouTube, faire une petite recherche sur ça, n'après la majorité des gens qui a montré comment pour nous manger, pour nous bien manger, bien boire, et, ok, qui a mangé, consommé des choses qui sont sanitaires, qui a qu'aimé nous en bonne santé, nous ne savons pas d'avantage du tout. Non seulement il a montré comment pour bien manger, comment pour bien boire, ok, il aurait été en Éden, nous ne savons pas. J'aimerais ça dire tout à l'heure, ils consommaient uniquement fruits, céréales, graines, légumes, les oléagineux, qui c'est les noix. Ils consommaient en pile toute qualité. Et ils ne mettaient rien qui sortait dans un animal dans la bouche. Non seulement ils ne mettaient rien qui sortait dans un animal dans la bouche, ils ne arrêtaient là seulement. Mon ça fait exercice physique, ils boivent en pile de l'eau, ils connaissent pour qu'ils prennent rayon soleil tous les jours, ils connaissent pour que. On se le rêve moins au manqué. C'est la confiance et la croyance en Dieu parce qu'il n'est pas chrétien. Il y a deux qui n'est pas chrétien du tout. Ok? Il n'est pas chrétien du tout. Je me demande, est-ce que ces gens-là, l'esprit n'est pas déjà préparé pour qu'ils soient capables de recevoir le message et accepter le message du troisième ange pour qu'ils soient capables de pas prendre ni adorer la bête et son image? Je me demande, est-ce que Mounsayo n'est pas déjà préparé pour qu'ils viennent prendre place en pile? Adventiste du septième jour, à Dieu ne plaise que c'est pas ni place Pamna ni place Paola, zami moi auditeur auditrice qui en ce moment a suivre cette émission sur la santé. Dans son zèle à se purifier, en parlant du peuple de Dieu, dans son zèle à se purifier de toute souillure du corps et de l'esprit, recherchant la sainteté dans la crainte de Dieu. Eh bien, le peuple de Dieu doit précéder n'importe quelle classe de la société dans la mesure où sa profession de foi est mieux vécue que ne l'est celle des autres. Nous devons devancer, yo. C'est nous-mêmes, c'est Adventiste du septième jour qui t'a supposé un channel YouTube qui a montré, qui a présenté comment vivre en bonne santé, comment manger, comment boire. Comment éviter un série de bagarre qui pas bon? Un série de monde qui pas jamais consommer un série de un poison maquillé que le monde mettait devant yo à vendre yo, yo pas mettre yo dans bouche parce que connaît pas sanitaire pas bonne santé. Yo pas grand ken livre, yo pas gain livre conseil sur la nutrition et les aliments qu'a instruit yo. Yo pas gain esprit de prophétie. Ils ne connaissent même pas Dieu. Pourtant, ils devancent nous, mes chers amis. Si notre sœur Ellen G. White, t'a une opportunité pour t'a lever, qu'on y a pour t'a ouais différence, pour t'a ouais devant pour tourner des écailles, que c'est le monde qui devance nous sur ce point, il t'a crié amèrement. Amèrement. Donc, mes chers amis, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Nous-mêmes qui étaient branchés dans la réforme sanitaire, là, ou du moins qui étaient qu'on fait, mais un petit peu négligents, parfois nous tomber, nous lever, nous commencer, nous pas capables, nous quitter, nous recommencer, etc., qui t'a aller en trébuchant, nous capables de prier Seigneur, demander les forces et grâces nécessaires pour ce que nous vivons, disons, les dernières heures de l'histoire de ce monde, nos besoins force physique, nous, mental, nous, spirituel, pour que nous capables affronter les événements de la fin. Donc nous besoin toute nous besoin la toute puissance de Dieu pour que il capable agir pour nous dans ce domaine pour que nous capables remporter la victoire sur appétit nous. Oui, chers frères et sœurs. Donc dans moment ça, nous va prendre disons 2 minutes pour que nous capables expliquer yon remède naturel pour yon maladie nous connaît qui assez populaire, c'est ça que nous relais, eh bien kyste ovarien. Appel nan nous gen kyste et ceci m'a dit c'est pas seulement kyste nan ovaire que nous capable traiter avec remède naturel, ça nous capable traiter aussi ou même qui gen anti kyste nan sein. OK, il y a un petit boule qui capable glisser en bas main que walka docteur avec lui, il dit que c'est kyste que lié et nous connaît gain pile non mesdames nous yo qui toujours gagne kyste non ovaire. Docteur qu'on met sous médicament et parfois c'est opération que on fait. Mais nous gain petit remède naturel ça que nous capable faire avec la betterave rouge que nous sautait à l'heure. Que nous capable utiliser comme légumes, comme salade et une variété, c'est le temps qui nous manque, mais une variété de choses que nous capable préparer ou du moins faire avec betterave là. Donc pour nous préparer ces médicaments ça, nous a besoin ça nous relait mélasse. Nous connaît que ça qui mélasse. Mélasse les sorti dans canne, c'est encore presque tant que si au canne, mais mélasse là sont extraits. Donc il est vraiment bon. Donc on a utilisé mélasse, OK? Pour que nous capables faire li. Combien on a fait li, c'est que nous a blendé betterave lan. OK, on a blendé betterave lan ou du moins nous passer li nan yon ça nous relé yon juice et pas même blendé non, pour ta blendé sauf ta blendé li avec mélasse lan. Sou pas blendé li avec mélasse lan, il est préférable que grager li ou du moins passer li en juice pour que les capables sortir, OK, extrait jus en sortir sans que les pas mélanger avec de l'eau parce qu'il pas supposé mélanger avec de l'eau et puis on va prendre jus pur betterave ça ou mettez li ou mettez là-dedans ou mettez ou mélanger li avec mélasse, OK, ou fait un petit verre jus l'aime dit petit verre, est-ce que nous connaissons un petit verre qui t'a tant qu'on un petit verre mesure pour médicament là like, tant que si nous connaissons un petit verre tant que yo qu'on mettait Saint-Seigneur qu'on ban un petit verre du vin Saint-Denis après Saint-Seigneur et un petit verre comme ça, OK, plein chaque matin, OK, ou capable faire ça pendant un mois chaque matin ou boire du pur jus de betterave mélangé avec mélasse. Vous mettez mélasse dans la dedans ou boire celle-là. Ou pas faire en pile parce qu'on connaît chaque matin, on a besoin d'un petit verre. Donc, je vous rappelle, chers amis, c'est un petit verre, tant qu'un petit verre, jus, en fait, petit verre que nous comprenons du vin dans cette scène. OK, ou prenez un petit verre comme ça tous les matins pendant un mois et l'heure fini on va dans le fond check avec un docteur puis on fait un examen pour voir dans quelle dimension qui cela est. Donc, moi connais des monde qui fait lui. Et ceci, les aller qu'à docteur qui se l'ont diminué en grosseur considérablement et ils ont juste venu continuer jusqu'à ce que qui se l'ont les disparaître. Moi, j'ai un témoin pour ça et on montre que qui t'a fait lui et qui t'a réussi comme ça. Donc voilà, c'est un conseil ça que nous t'ai gagné pour aujourd'hui. Un petit médicament ça qui préparé avec la betterave et mélasse qui vraiment bon. Et nous t'ai dit aussi que betterave là est aussi bon pour anémie. OK? Les bon pour anémie, si vous anémie en pile, vous capable consommer du jus pur de betterave, donc la pédéou en pile. Donc mes amis, nous prenons pause mais nous prenons chanter ensemble au numéro 334 de nos hymnes louanges, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ mon corps et mon esprit. Donc c'est lui-même qui est capable de kembe ni corps ni esprit en bonne santé. Donc, on nous remet les lits avec joie. On revient après la pause.
oui, chers amis, ou tap suivre émission Santé du corps et de l'esprit. Et nous réveillons mon amour ça, côté que nous prenons mettre fin à l'émission pour aujourd'hui. Hein, nous remercions ou même qui te branché fidèlement pour te capable d'attendre tous ces conseils que bon Dieu t'a porté pour nous aujourd'hui. Hein. Et si toutefois t'es arrivé en retard tout, capable toujours retourner et tendre tout ça que ou t'es raté et nous rappeler que émission ça les rediffuser tous les jeudis de 2h à 3h. Donc chers amis, nous pour finir, mais avant tout nous pour prier Seigneur qui était avec nous pendant moment ça et qui t'a assisté nous par son esprit, nous pour dire merci. À nous prier chers amis. Éternel notre Dieu, notre Père, nous disons merci pour grâce qui était avec nous. Oui, pendant que tes enfants yo t'es branché et nous même qui t'a parlé, ou t'es avec nous, t'as éclairé nous et sous lumière ça a côté fait jaillir il y a des années, Seigneur, ou t'es quitté, ou t'es utilisé servante pour que t'es capable quitter pour nous aujourd'hui pour éclairer nous. Nous demandons pardon pour toute fois que nous t'es négligé yo, que nous t'es foulé en bas pied nous, que nous pas t'es importance yo, toute fois que nous t'es commencé nous tomber, nous lever, nous recommencer. Mais je dis hein, nous rendons compte que c'est plus important que jamais pour que nous capable mettre en application. Oui, Seigneur, pour notre bien-être, et nous connaissons que vous voulez pour que le corps nous était en bonne santé, et pour que l'esprit nous était en bonne santé, pour que nous soyons capables de mieux préparer, et pour que nous soyons capables de prêts pour ton retour. Et merci pour tous tes bienfaits, pardonne et fais grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et oui, voilà, chers auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous admettons fin aujourd'hui à l'émission Santé du corps et de l'esprit. C'était avec vous, votre amie, votre sœur, Manouchka Bernadette Mathéis. Donc, moi, abdino tout merci qui t'es branché dès le début. Et même si tu es retardé l'émission, tu as participé quand même, nous disons merci parce que tu es resté branché. Donc, dans le moment ça, songez-moi, t'es dit non, chers auditeurs, et tous ces conseils, ces remèdes que nous partageons, remèdes naturels que nous partageons, donc si vous faites expérience avec vous, vous êtes capable de toujours écrire en bas live là et fais-nous voir qui expérience qu'on a fait et comment ça a marché. Donc que bon Dieu capable de bénir nous, restez ferme, restez fort jusqu'à ce que nous rencontrons encore. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye, à la semaine prochaine. Ne s'épouvante jamais, ils dorment.